le travail. Il y a du monde sur mon live aujourd'hui, Salim. Genre, on est 188, d'habitude on est 2. C'est bien, Margot. Elle a dit quoi? Elle a dit, je passe mon temps à faire ça. Et... Oui, parce que là, franchement... Ouais, mais en fait, c'est ça, les... Et... Oui, parce que là, franchement... Ouais, mais en fait, c'est ça, les transactions... Mais en fait, c'est ça, les transactions... Mais en fait, c'est ça, les transactions... à chaque fois... En gros, j'explique, Margot. D'abord, t'as des... Un frais de transaction de TikTok à PayPal, par exemple. Donc, ils te prennent... Je sais pas, si t'as 5 euros, ils vont te prendre genre 20 centimes. Donc, déjà, ça doit être ça. Et après, ça se met en dollars sur PayPal. Et du coup, il y a la conversion en euros. Donc, ça t'enlève encore parce qu'on est moins bénef. Donc, voilà. Alors là, t'as choisi. Il faut que je choisis PayPal. Confirmer. Voilà. Donc là, tu reçois ça. C'est mieux comme ça, tu vois. Donc là, ta transaction, elle est de 23 USD. Qu'on t'enlève. Mmh. Donc bon, ok. Donc tu reçois 8,33$ et donc ça veut dire que tu vas recevoir 7,50 ou 8. Donc c'est beaucoup mieux de faire PayPal. Ouais. Et là donc, je suis retirée. Voilà. Ouais. Ça va venir sur ton compte. Donc toi t'as 23 de transactions. Okay. Et après tu verras sur PayPal encore la petite différence. Vinnie, ma pote, c'est ma soeur et elle fait 1m64, c'est ça ? Oui. Merci pour les follow. Donc Margot, au final, du coup, là, par exemple, il faut rembourser 23 centimes de transaction, donc avec les pièces. Donc c'est-à-dire que là, vu qu'on va se partager entre... Ouais, PayPal, c'est mieux. On va se partager entre les sous que t'avais avec elle et moi, les sous que j'ai avec. Donc en gros, on va dire c'est 10 centimes chacune. Margot, je note tout. Ouais. Dans tous les cas, donc, écris 23 USD transaction. J'ai tout noté de ce que j'avais gagné avec toi, j'ai tout noté de ce que j'avais gagné avec Anna. Et on va soustraire, genre là du coup j'ai 23 transactions, du coup je vais enlever genre 10 centimes chacune, on va dire. Là tu vas les recevoir vite hein, sur PayPal, genre vraiment là dans la minute presque. J'ai PayPal. Quand t'as des sous. Du coup, il y avait écrit combien ? 23 USD. Oui, mais le que tu recevais, 8,33 ? Ouais. Ok, note 8,33. On va voir combien ça te change. Merci Mathis de faire le modo. Non, mais c'est bon ! Oui ! Putain, il y en a qui étaient abonnés. Ouais, grave. Ça me saoule. Je te jure. Ouais, quand j'étais avec SF, j'étais en mode. En plus, avec Clara, on était vraiment en mode bon, ça y est, pour l'Irlande et tout à fond, j'étais en mode. Oh non, merde, pendant un mois. Bon, on va payer. Comment je vais faire ? Ouais, je te jure. Merci, thank you. Tu veux que tu te reconnectes à chaque fois? Ouais, je sais pas pourquoi. T'avais déjà des sous sur PayPal ou pas? Non. Là, c'est ce que tu viens de recevoir? Ok, bah du coup, ça te fait 7,21 en gros. 7,21. Bah, alors, du coup, tu peux dire, bah, vu qu'il y a 1€. 1,50€ d'écart. On va faire une approximation. Hein. Margot, j'espère que tu nous regardes là. Tu vas diviser par 2, donc en gros, dans l'idée, 3,60, mais on va dire plus 1, donc on va dire 5€ pour Margot et toi. Et moi, 2,20€. 2,20€. Mais. Pas du tout. Ah oui, attends. Non, on fait 7,21€. Oh, je sais pas quel prix. Putain, je sais pas. Je suis proud de te faire des maths. Arrête. Parce que fais diviser par 2. Bah non, parce que c'est un grand... Moi, on va dire, j'enlève ça. Vas-y, ouais. Oui. Donc ça fait ça oui, pour toi. Sinon, t'as qu'à dire... Ouais. C'est compliqué. Non, mais t'as qu'à dire 4,50 pour Margot et toi. Mm-hmm. T'enlèves juste 20 centimes. 21 moins 4,50 et moi 2,61. Comme ça, t'enlèves 20-30 centimes à chacune parce qu'il y a les frais de transaction. Margot, on a 4,50 chacun. Enfin, Coco. Ensemble. Oui, on va bien, merci. Donc, bah, en vrai, et du coup, nous deux, ça nous fait 1,35 chacune parce qu'on divise par deux. 1,35. Mais ça, on verra, mais au pire, je te les laisserai peut-être. Et avec moi,
Ou au pire, ah, mais c'est cool parce que maintenant, vu que c'est sur PayPal, on pourra se les envoyer sur PayPal directement. Ouais. C'est plus facile. Margot, nous on fait comment? Je te le dis. Du coup, Margot, vous avez 2,25€ chacune. Non, mais avec Margot, on compte ensemble parce que c'est pour notre tour du monde. Ah oui, ok. Bon, bah, vous avez 4,50€. Mais non, mais de toute façon, je pense. 4,50€ dans certains pays, ça fait beaucoup. Hein. On n'est pas. On est en train de faire un business. En fait. Salim, on fait un business. Après, okay. Salim. On fait okay. un business. Donc, et calme-toi. On gagne 2,50€. On est très contente. On gagne 2,50€. On est très contente. Comment on fait du coup? Est-ce que je t'envoie là maintenant tout de suite 1,35€? Non, vas-y, on réfléchit après. Réfléchis après. Margot, qu'est-ce que. Comment on fait nous? Est-ce que je les laisse sur mon compte? Je pense pour l'instant, laisse-les sur PayPal. Et Margot, vous ferez la... vous allez les retirer aussi sur Margot. Il faut que Margot, on les retire. Dans pas trop longtemps, je pense. Et après, vous ferez le calcul. C'est chiant ça. Elle dit, on verra quand on se voit. Ouais. Ok. Mais j'ai tout noté. Qu'est-ce qu'il dit sur le groupe là? Putain. Mais vie étudiante de quoi? On n'a pas de vie étudiante. Moi non plus, j'ai dû payer ça tous les ans. Les ans de fac. Toi, ça pourrait être inscrit dans ton école en fait. Si en soi tu la payes pas, normalement t'es pas inscrit définitivement. Donc en gros, on n'a pas le choix de la vie. Mais c'est un truc par rapport à la vie étudiante. Normalement, c'est censé un peu. Comment on dit? Donner des fonds à entre guillemets, notre vie étudiante pour pouvoir en fait aider des trucs. Et Emma, ben, ça je sais pas, pour les vulgaris, il peut le rendre un truc en moderne. Voilà. Mais quelle vie étudiante même? Non, mais t'as obligé de le payer. Bisous, bisous. Merci. Non, on se fait une soirée chez Emma. Putain, chez moi en vrai. Ouais, mais non, frère, mon frère il est revenu et tout. C'est quoi, on se fait une soirée chez Lada, on se fait une soirée chez Robin, chez Gaël. Non, mais non, on se fait chez Gaël aussi en plus. Oui, bah. Bah moi les gars en soir samedi soir je suis dispo, juste à la base c'était soirée chez moi samedi soir mais on peut plus. Pourquoi vous pouvez plus? Parce que le papa et moi il est sorti samedi soir. En général la fin d'une journée plage ça se finit, je pense qu'elle avait un 18-19h. Ah mais si on gagne un truc comme ça. Plus que 22% de batterie, c'est ouf, ça commence à descendre. 19h, il y a un petit goûter de 9h30. Merci JC. Coucou. Merci, adorable. Putain, c'est fou. Putain, c'est fou. Mathis l'a dit ce soir chez Gaëlle. Mercredi. Tout chez moi ce soir. Parce qu'avec Margot, on va essayer de faire un film comme ça. Salut. Mercredi, mais. Moi, les loulous, je ne peux pas du tout toute la semaine, à part samedi soir. Puisqu'il y a Anna à la maison. Du coup, jusqu'à samedi, je peux rien faire.